Écoute, je voudrais pas casser ton rythme, mais le patron te demande. C'est peut-être une bonne chose. Le voilà, chef. Une erreur a été détectée sur la ligne 10A. Les pins sont grippés. J'ai besoin de deux hommes pour grimper et fixer les câbles. C'est délicat comme intervention. La guilde doublera votre paye. Allez, Cal. Un peu de flouze, ça ferait pas de mal, hein? Ok. Super, on y va. Au travail. Par ici. Je suis juste derrière toi. Eh bien bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur la chaîne, extrêmement ravi de vous retrouver pour ce premier épisode de Star Wars Jedi Fallen Order. Sur cet épisode je vais peu intervenir, on va tâcher de rester dans l'immersion. Bref, c'est parti. T'en fais pas. Là-haut. La patte Star Wars y est vraiment, hein. Purée. Admire-moi ça, un vaisseau séparatiste. J'ai pas vu une Lucerole que depuis un bail. Ouais, clairement. Ces pièces vont nous rapporter un max. Allez, viens, on y va. Hé, hey, tout va bien? Ouais, ça va. Mais y a plus d'échelle. Va falloir que tu passes par ailleurs. Pas de soucis, je me débrouille. On se retrouve là-bas. Quittez cette barge immédiatement. Vous n'êtes pas un déchet approuvé. Je suis un déchet, mais pas approuvé. Alors la séquence du début, je la connaissais bien parce que je l'ai pas mal joué pour régler divers problèmes que j'avais sur le jeu. Pour information, on est sur la version PC. On s'en va. Les cinq clôt la saga. Hé, hey, doucement. Je fais que passer. Content de te voir. Moi aussi. Évite de mourir quand même. Ouais, je vais essayer. Bon, évidemment, petite séquence de plateforme, on apprend les touches, tout ça, tout ça. C'est quoi, des rats de décharge? Flippant. C'est bon, je fais que passer. Pas la peine de sortir me saluer cette fois. Ça marche, à tout de suite. Qu'est-ce que tu fais là? Toi, qu'est-ce que tu fais là? Extrêmement stylé, hein. Bon, on va s'activer. Ouais, t'as bien raison. Ouais.
Les grosses bébêtes qu'on a l'habitude de voir dans les Star Wars. Tout y est, hein. Al, actionne le levier de contrôle manuel. Ça y est. À toi. Attends. Ok, passe fixé. Ça va? Toujours là. Tu m'as fichu la trouille. C'est bon. Bouge pas, on occupe. C'est bon, viens me rejoindre. Eh, hey, viens, je tiens un coup d'œil. C'est un chasseur Jedi. C'est le jackpot qu'on va toucher le pactole avec ça. Je veux dire, ce machin moisi, là, depuis quoi, 4 ans? 5. Ah, celui qui pilotait ce truc est vraiment parti en beauté. Ou c'est Jedi? Une vraie tragédie. Oh, moi, j'ai toujours dit que c'était pas tous des traîtres. Oui, c'est possible. On dirait que c'est notre jour de chance. L'Empire va pouvoir récupérer du bon matos. Ouais. On récupère la ferraille de ces vaisseaux de guerre qui servira à en fabriquer de nouveaux. Sacré trafic. Quand je pense qu'on risque notre peau pour les patrons, et la paye était meilleure du temps de la République en plus. Fais un peu attention à ce que tu dis. Ah, écoute-moi. Avec une prime comme celle-là, tu pourrais enfin te tirer de ce caillou moisi. Qu'est-ce qui te dit que je veux m'en aller? Je t'en prie, Cal. T'es encore jeune. Tu veux pas finir comme moi. Arrive un jour, il faut partir pour vivre sa vie. Pour trouver sa destinée. Ouais, si tu le dis. Allez, on devrait redescendre. Je crois que tu m'as pas écouté. C'était quoi? Oublie ce que t'as vu, ok? Allez, fais-moi confiance. J'ai entendu parler d'eux, je sais ce qu'ils font. Il y a des primes sur les gens comme toi, mon pote. Je suis au courant. Je suis au courant. Ouais, d'accord. On doit faire attention. Tous les deux. Enfin, c'est un sacré risque que t'as pris pour moi. Et je sais pas comment te remercier. Oublions tout ça. Je suis sérieux. Oh,
tu sais, t'en fais pas pour moi. Mais par ici, t'es en danger. Peut-être que tu devrais disparaître. Je dois absolument repasser chez moi à prendre mon sac. Ta peur, ça a une dette envers moi. Je crois qu'il se trouve sur Nar Shadda. Ouais. On va plus se voir pendant un moment, prof. Ouais. Ok. Ok, Cal. Tu vas ? Oh, la transition était géniale. Est-ce qu'ils sont tous là? Oui, deuxième sœur. Nous cherchons un dangereux fugitif. Ce n'est pas un simple anarchiste, mais un fanatique de cet infâme ordre Jedi. Tous ceux qui refuseront d'obtempérer se verront accusés de sédition. Qu'ils se livrent maintenant. Où tout le monde ici présent sera alors exécuté sur le champ. Et je pense qu'il est temps que quelqu'un se lance. Ça fait un bout de temps que je travaille sur cette planète. Longtemps avant la guerre. On rénovait des vaisseaux à cette époque. On était les vrais cadors. Ensuite, l'Empire est arrivé. Alors les ingénieurs
sont devenus des ferrailleurs. Les ouvriers sont devenus des exploités. Prof. On sait tous ce qui se passe. Sauf que... on a peur de le dire. Pour l'Empire, nous ne valons absolument rien. Oui, c'est vrai. Non ! Rendez-vous ça, un sabre laser. Je maîtrise le Jedi. Contrôle de la perturbation. Ça fait mal. Stop, ne bougez plus. Qu'est-ce que vous faites ici? On se calme. J'ai un fugitif. Je t'aurai. Ça aura pas mis longtemps à démarrer, hein. T'as entendu à la radio? Un Jedi? Prépare-toi. On le laissera pas passer. C'est le traître. Abat-le. Abattez l'ennemi. Contact confirmé. Abattez-le. Il ne mourra pas. Attention, je vais tirer. Il massacre tout le monde. Tiens-moi que j'ai fermé. Jedi. Pas le choix. Pas que je m'arrête. J'ai préféré me reposer. C'est comme ça que je me prépare. C'est Jenner ! Il pourra pas tous nous voir ! Non ! Attention pendant que j'attaque parce que je suis sans défense apparemment. Va à l'avant. Arrête le train. Franchement, ils ont pensé au moindre détail. On peut dégainer le sabre et le ranger. C'est con, hein, mais c'est un détail que j'apprécie énormément. Un abri. Je dois foncer entre chaque rafale. Maintenant. Il n'attaque plus.
plus vite. Il est là. Attendez. Ils ont détruit le coupleur. Je dois descendre. Ah ah. Oh non, non, non. Oh, ça, c'est pas bon. Pas le choix, il faut monter. Fasse gaffe, à gauche il y a des mecs encore. Allez, amenez-vous les gars. Non, mais je vais finir par crever moi. Non, y a pas moyen. Quoi encore? On s'est arrêté? Pouah, quel panorama! Ça ne me dit rien de bon. Quelque part. Je reconnais cette posture. Alors tu as été formé finalement. Qui était ton maître, Padawan? Une de mes victimes peut-être? Quel Jedi s'est sacrifié pour que toi tu puisses vivre? Bon, au moins ils m'ont rendu mes points de vie. Plus rapide que je le pensais. Thank you.
père. La mise en scène est tellement ouf. Éteins-moi ce truc et assieds-toi. Merci pour le coup de main. Mais vous êtes qui exactement ? Mon nom est Serejunda. Et voici mon capitaine, Gris Dritus. Comment ça va ? Le Mantis est mon vaisseau, mais je te conseille de bien écouter la dame. Alors, qui es-tu ? Cal, Kestis. Et cette femme, c'était qui ? Une inquisitrice impériale. Une adepte de la force qui traque les Jedi sans relâche. Et maintenant qu'elle sait qui tu es, elle ne s'arrêtera pas tant que tu seras en vie. Comment vous savez ça? Et pourquoi vous m'aidez? Nous épions toutes leurs communications. On connaissait l'itinéraire des inquisiteurs. Alors nous sommes venus. Ah oui? À combien s'élève la prime pour un Jedi en ce moment? Non, mais t'as entendu ça? Je comprends. Tu as survécu seul pendant si longtemps que tu ne peux plus faire confiance à personne. C'est pour ça que tu es encore en vie. Mais il y a beaucoup plus en jeu que de survivre. Comme quoi ? Faire renaître l'ordre Jedi de ses cendres. Vous deux ? Et personne d'autre ? Oh, on n'est pas assez bien pour toi ? Et le Conseil Jedi ? Disparu. Donc vous n'avez que moi. Capitaine, nous allons sur Pogano. D'accord. Et pendant ce temps-là, tâche de te reposer. Tu ne crains rien. Pour l'instant.